Yo les potes, on se retrouve pour un nouveau défi, c'est de fouiller des coffres dans des lieux notables. Ah mince, je comptais fouiller tous les coffres ici, mais malheureusement il y a quelqu'un. C'est pas grave, on va aller dans un deuxième lieu après. Donc un lieu notable, c'est une ville qui n'a pas de nom, mais... Enfin, regardez en bas à gauche, il y a marqué lieu notable Risk Hills. Donc voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas une ville. En gros, hop, ça fait deux. Je vais essayer de me dépêcher. Peut-être qu'il y en a plus que 7. J'en ai vu un là-bas, mais il y en a aussi un là, il me semble. En foire d'empoigne, il faut savoir que tous les coffres spawnent automatiquement. Donc, vous inquiétez pas, vous trouverez tous les coffres. Et je vous conseille vivement Risk Hills parce que les gens n'y vont pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de gens. Et voilà, c'est plus rapide. Bon, j'ai l'impression l'autre c'est un débile, il va pas fouiller les coffres, du coup ça me laisse le temps d'y aller avant lui. Il y en a aussi un là il me semble, je vais le prendre avant. Ok, il me manque deux. Ok, bah vous voyez en fait on aura le temps. Donc voilà, 6 et le dernier qui est juste là-bas. Raté. Oh, merde! Merde, 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 merde. Non, mais quel con. Oh! Ok, bah rip. Punaise, mince. Oh, mais... Oh putain, oh yes. Oh yes. Pitié, pitié, pitié. Yes! Oh punaise. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comment fouiller cette coffre? Donc, à Risk Hills, il y en a au total donc 8, 9, 10, 11 et... Non, il y en a 11. Donc, il y a 11 coffres. Donc vous pouvez clairement faire le défi et si vous êtes rapide comme moi, voilà, vous allez en fouiller plus que votre adversaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao!